ici les prophéties. Comment je crée mon prix sur sa base en vue. Donc, la première spécification, je vais à ce que je vais signifier les tops, donc les niveaux supérieurs, top, et les niveaux inférieurs, par exemple, bottoms. Et je vais prendre cette ligne ici, L6 et L2, respectivement L2. Je vais écrire top comme le script, comme c'est une chaîne de caractères. Donc, je mets deux traits, deux, trois, et je fais top. Et je vais faire pareil pour L6. Je vais également écrire top. Alors, je les matériaux qui sont séparés, S1, S2, je peux ajouter ça en termes de commentaires. S1, je dis moins long, pour reconnaissance. S2 également moins long. Et S3, je dis radier béton 25 par exemple. Alors, j'ai créé, je vais carrément venir l'enregistrer. Je peux appeler ça j'appelle ça par exemple 6. La question, c'est comment je récupère ça sur CV3D. Sur CV3D, Galaxy, si je vais passer, je vais aller sur CV3D. La première des choses que je vais faire, je vais devoir créer ce qu'on appelle un espace propriétaire plutôt. Par exemple, là, c'est Sergio. Comment je fais pour créer un espace? Je vais venir justement là, juste ici en bas. Je fais clic droit. Vous avez la possibilité d'ajouter ou bien de naviguer sur les espaces. Je vais venir ici, je vais dire nouvelle palette. Je fais nouvelle palette. J'appelle ça par exemple BIM. Une fois que j'ai ma palette, je peux maintenant récupérer le profil. C'est que je vais faire clic droit justement ici, importer. Je vais aller chercher. Je suis là. Tac, tac, tac. Palette. OK. C'est canal 6. Je vais là, je vais faire OK, et dès là, je peux venir justement passer un profil type. Donc je vais passer un profil type, par exemple ici, et je peux venir récupérer mon profil avec toutes les informations que j'avais mis là-bas. J'aimerais que je les retrouve là. Donc c'est un peu ça.